Salut YouTube, c'est Monsieur Banzai. Le 4 mars dernier, j'ai participé à un événement un peu spécial organisé par Masashi Hirao au Seisho-en, un jardin de bonsaï d'un nouveau genre. Le Seisho-en se situe à Saitama, au nord de Tokyo, et s'organise autour d'un jardin traditionnel, un café-bar, et regroupe plusieurs activités dont un centre équestre et un départ de circuit VTT. La démarche de Hirao-sensei est originale. Il a pour vocation de disséminer l'art du bonsaï à travers le monde et à travers les générations. Il s'adresse donc surtout aux néophytes qui s'intéressent au bonsaï sans jamais avoir eu l'audace de mettre les mains à la pâte. Il participe à de nombreux événements un peu hors du commun qui mélangent par exemple soirées DJ et démos de bonsaï ou encore sa récente intervention lors du Festival international d'art sur l'île de Setoguchi dont l'événement de ce jour est le match retour. C'est donc pendant toute une demi-journée que j'ai pu profiter du jardin de Masashi Hirao sous un soleil magnifique, une ambiance hyper décontractée avec des participants de tous les horizons, amateurs et débutants. L'invitation est lancée, si vous êtes de passage à Tokyo, n'hésitez pas à venir y faire un tour, je vous mets l'adresse dans la description. À l'occasion de cet événement, et sous le patronage éternel du ciseau d'or de Kato Sensei, le maître ayant formé Masashi, tout le monde pouvait également s'essayer au bonsaï en créant d'eux-mêmes un petit sakura et repartir avec. La soirée a continué grâce à la participation de Rua Soda, chef cuisinier qui était également présent à Setoguchi l'été dernier, et qui nous a régalé dans une ambiance très relaxée. Dans une seconde vidéo, je partage avec vous une partie de cette journée avec le rempotage d'un énorme ginkgo sous un format que Masashi Hirao nomme « démonstration-récréation ». En bref, les 3 B, bière, barbecue et bonsaï. Cette courte vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et de regarder la vidéo suivante. Merci et à très bientôt !